En mai, Canal+ fait ce qui plaît aux fans de séries avec le retour tant attendu de MAARC de la Flamme, dans Le Flambeau. Les cinéphiles vont quant à eux pouvoir, découvrir du New Fast et Furious 9, sans oublier une sélection Cannes 2021. Les incontournables Titan, lundi 16 mai sensation de 2021 permettant à sa réalisatrice Julia Ducournau de décrocher la prestigieuse Palme d'Or lors du 74e Festival de Cannes, Titan arrive ce 16 mai sur Canal+. Expérience physique et sensorielle inédite, le film dresse le portrait d'Alexia, Agathe Roussel, une trentenaire forcée de vivre avec un implant en titane dans le crâne après un accident de la route survenu lorsqu'elle était enfant, souffrant d'un syndrome post-traumatique lui donnant des pulsions meurtrières, elle croise la route de Vincent Lindon, un pompier persuadé qu'Alexia et son fils Adrien, disparus depuis 10 ans, à deux, ils vont éclater toutes les barrières de la normalité et se reconstruire en donnant naissance à un amour aussi fort que singulier. Titan bande-annonce VF, vendredi 20 mai, nouvelle adaptation du roman réputé inadaptable de Frank Herbert, Dune s'est transformée en un spectacle d'une ampleur inédite grâce au talent de Denis Villeneuve. Immense succès au cinéma battant tous les records au box-office, le long-métrage nous plonge dans l'histoire du peuple athéeïde, et plus particulièrement dans celle de son nouveau messie, Paul, incarné par Timothée Chalamet. Pour préserver l'avenir de sa famille, ce garçon brillant va devoir investir la planète la plus dangereuse de l'univers pour récupérer la ressource la plus précieuse au monde, l'épice, qui prolonge la vie humaine. Une odyssée sublime et intense, à redécouvrir sur Canal+. D'une bande-annonce Boaline, vendredi 27 mai couronnée du César 2022 de la meilleure actrice, Valérie Le Mercier devient Aline dans cette fiction réalisée par ses soins et s'inspirant librement de la vie de Céline Dion. De son enfance au Québec à sa rencontre et son incroyable histoire d'amour avec le producteur de musique Guy Claude, qui n'est pas sans rappeler René Angélil, Aline nous invite à suivre son impressionnant parcours. Au programme, un festival de tenues et de perruques, un défilé de chansons cultes, des scènes hilarantes et des séquences d'émotions. En bref, un film de haute voltige qui compte également sur les interprétations de Sylvain Marcel et Daniel Fichot, véritable révélation. Aline bande-annonce VF Le Flambeau, dès lundi 23 mai MAARC. Les nombreux fans de La Flamme attendaient son retour avec impatience, le célibataire incarné par Jonathan Cohen renfile son costume pour une nouvelle aventure qui risque d'en surprendre plus d'un. Lui le premier, exit la villa et les 13 femmes souhaitant le séduire, notre pilote de ligne est cette fois-ci propulsé à Chupacabra dans Le Flambeau. Sur cette île déserte, Marc est entouré d'anciennes prétendantes et de nouveaux candidats. Manipulation, alliance, trahison, épreuve physique et lutte pour survivre, les 9 épisodes vont nous en faire voir de toutes les couleurs et surtout nous provoquer de grosses crises de rire. Le tout porté par Jérôme Commandeur, Laura Felpin, Gérard Darmon, Cadmerade ou Mister V, mais aussi Géraldine Nakache, Anna Girardot, Adèle Exarchopoulos et Pierre Ninet. C'est ça, ce qu'on appelle le multiverse? Les temps forts de Responder, dès lundi 9 mai écrite par Tony Schumacher, ancien officier de police, The Responder s'inscrit dans la lignée des plus grands polars noirs tout en faisant preuve d'une vraie modernité. Réaliste, palpitant et centré sur la psychologie de ses personnages principaux, les 5 épisodes de la série sont illuminés par le talent de Martin Freeman et Adelayo Adedayo. Lui brille dans le rôle de ce policier charismatique qui lui racuille, mais aussi vulnérable, tandis qu'elle crève l'écran en nouvelle recrue sur le fil du rasoir. Inédit en salle Canal+ première, mercredi 11 mai, Clint Tell est le surnom de cet éboueur à la recherche de la rédemption après un passé trop lourd à porter. Faisant la promesse de veiller sur Dianda, une jeune fille lui rappelant son enfant décédé, il va voir ses pulsions criminelles ressurgir lorsque celle-ci se retrouve en danger. Un thriller avec Adrien Brody inédit en salle, à découvrir seulement sur Canal+. Fast et Furious 9 au mercredi 25 mai, attachez vos ceintures, Justin Lin fait son comeback au volant de Fast et Furious dans le 9e opus de la franchise. Sorti au cinéma à l'été 2021, le long métrage s'ouvre sur un Dom Toretto, Vin Diesel, menant une vie tranquille avec sa famille. Mais le repos est de courte durée puisqu'un nouvel adversaire fait surgir les fantômes de son passé, Jacob, John Cena, qui n'est autre que son frère. Julie, en 12 chapitres, jeudi 26 mai, coup de cœur cinématographique de la fin d'année 2021, présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2021 ayant valu le prix d'interprétation féminine à son actrice principale Renate Rein. Julie, en 12 chapitres, arrive ce 26 mai sur Canal+. Réalisé par Joachim Trier, le film clôt la trilogie d'Oslo imaginée par le cinéaste avec Nouvelle Donne et Oslo, 31 août. Une pépite à voir de toute urgence. Promising Young Woman, mardi 31 mai avec une Karen Mulligan à la fois drôle, pétillante, mais aussi inquiétante et émouvante. Promising Young Woman a bien plus d'un tour dans son sac. Inclassable car oscillant entre la comédie romantique, le thriller et parfois même l'horrifique, le long métrage de Emerald Fennell décrit comment Cassie, une jeune femme pleine d'avenir, mène une double vie dès la tombée de la nuit. Tout
toutes les autres sorties du mois de mai sur MyCanal, Tomber pour Ali, dès le 01.05 MAMIE Sitter, dès le 01.05 BULL, dès le 02.05 L'Homme de la Cave, dès le 03.05 MYZOE, dès le 05.05 Le Sens de la Famille, dès le 06.05 GIRLS5EVA2, à l'heure US dès le 06.05 Opération Portugal, dès le 08.05 LES Cassos 6, en intégralité dès le 09.05 BREDERS3, à l'heure US dès le 10.05 NIGHTWATCHER, dès le 10.05 UNE Histoire d'amour et de DESIR, dès le 10.05 JUNGLE Cruise, dès le 13.05 DRIVE MyCar, dès le 16.05 Cannes 2021, Allo, encore à l'heure US, épisode final le 16.05, Tout s'est bien passé, dès le 17.05 Cannes 2021, Flag Day, dès le 18.05 Cannes 2021, Teddy, dès le 18.05 OLG, dès le 19.05 ORANGES Sanguine, dès le 23.05 La Fracture, dès le 24.05 Cannes 2021, This is US 6, encore à l'heure US, épisode final le 25.05 Compartiment numéro 6, dès le 27.05 Cannes 2021.